Salut salut, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo swap swap swap, comme vous l'avez vu dans le titre, un swap vite placard avec ma copine Hello Darling qui s'appelle donc Marion, mais sa chaîne s'appelle Hello Darling. J'ai déjà fait un swap avec elle, je vous remettrai le lien quelque part par ici et en barre d'infos si j'y pense. Mais on avait déjà fait un swap courant 2016, je ne sais plus exactement quand, où elle m'avait archi pourri gâté et du coup j'avais envoyé un premier colis, après je lui avais envoyé un petit colis où bah voilà, parce que je trouvais que j'avais pas assez gâté par rapport à ce qu'elle m'envoyait. Donc là elle m'a reproposé quand j'ai fait une demande via Facebook de personnes avec qui on avait envie de faire un, enfin des personnes qui avaient envie de faire un swap avec moi vite placard. Il y en avait tellement que j'ai sélectionné du coup Hello Darling parce que voilà, j'ai une totale confiance en elle et j'avais envie de lui. Elle m'a dit oui s'il te plaît et tout, elle avait l'air d'être hyper motivée, donc je me suis dit bon pourquoi pas. Et j'ai aussi proposé à une autre abonnée qui n'est pas youtubeuse, du coup bah c'est cool. Mais j'ai découvert par hasard du coup en lui papotant avec elle que c'était une blogueuse, donc vous verrez un prochain swap vite placard prochainement. Avec Hello Darling, l'avantage c'est qu'elle habite dans la ville où ma maman habite, donc je peux la croiser, la rencontrer. J'ai pu la rencontrer plusieurs fois, même si on n'a jamais eu l'occasion de manger ensemble, mais j'espère que ça ne tardera pas. Et bien, on se l'échange du coup de main propre. De main propre, ça se dit pas de main propre, en main propre. Elle m'a fait un joli menu qui est comme ça, trop mignon, dans une petite boîte. Ça, c'est les boîtes que vous trouvez chez Action. Et c'est trop rigolo d'avoir fait ça, c'est une super idée. Donc, le menu qui est là. Et une petite carte avec un joli petit mot que je vais garder pour moi, même si c'est un mot qui me touche. Et elle me dit, ce qui me fait rigoler, c'est qu'elle me dit surtout prends ton temps pour ouvrir ce colis, parce que c'est vrai qu'on aime toujours ça et ça passe vite. Et c'est vrai que dans les vidéos swap on adore, enfin je sais pas qui n'aime pas les swaps, mais en tout cas ça passe vite d'ouvrir des petits cadeaux et tout, on est super content. Donc voilà, et elle me met plein de petites choses sympas. Donc voilà, elle m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait déjà ouvert elle son swap et qu'elle était contente, mais il y a quelques produits qui lui correspondent pas. Mais j'essaye toujours de faire au mieux. Il y a des produits qui lui plaisent beaucoup, d'autres moins. C'est toujours comme ça dans les swaps vide placard. En plus on sait jamais, on se donne un nombre de paquets, mais bon on sait jamais, elle triche souvent hein. Donc on s'était dit 15 paquets. Et là elle a mis un petit bonus. Donc voici ses emballages, ils sont trop mignons. Elle m'a mis tout ça dans un gros sac. Et eh bien on commence tout de suite. Alors il y avait un ordre de paquets, mais je vais piocher comme ça, je vais essayer de prendre dans l'ordre, mais si je me trompe, ne m'en veuillez pas. Donc le numéro 1, elle me dit, je n'ai pas su les apprivoiser. Ce sont des petites choses comme ça, vu le packaging, je pense que c'est des sortes de, vous savez, liner un peu de chez Kiko, color, enfin comme les color pop un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle, les color quelque chose. Alors j'en ai plein, donc on va voir. Oui, c'est ceux de chez, ouais, c'est les Color Shock de chez Kiko. Et je pense que j'en ai déjà quelques-uns. J'en ai déjà pas mal. Et est-ce que j'ai ces couleurs-là à vérifier? Donc, il y en a deux. Un couleur rose et un couleur marron qui est le 100 et le 103. Donc, bah, je regarderai si je les ai déjà. En même temps, je vous dis ça, mais j'ai ma coiffeuse qui est juste à côté. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Non, ça n'a pas l'air d'être exactement la même gamme. Ah, bah, j'en ai plus beaucoup, j'ai dû m'en débarrasser de certains. Bah je les retesterai, je sais plus. En tout cas ceux-là je les ai pas, d'après ce que je vois j'en ai plus que 4-5. Mais je retesterai, voir si moi j'arrive à dompter. Vous savez c'est des ombres à paupières crème. Bon tu les as quand même pas mal utilisées hein. Donc un rose comme ça, très doux. Et un, je pense un marron brun. Très joli. Bah écoute, je verrai bien si j'arrive à dompter ces petites choses là, même si c'est vrai que c'est pas les choses vers lesquelles je me tourne tout le temps. En numéro 2, un gros tube comme ça, il sera parfait l'été prochain. J'ai hésité à lui mettre aussi un produit pour l'été prochain, mais je me suis dit que bon, peut-être qu'elle en avait plein. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de produits pour l'été prochain. Ah ça c'est cool. C'est cool parce que c'est un produit de la marque Palmer, que je suis en pleine découverte de cette marque là. Et du coup, donc c'est le Cocoa Butter Formula, donc c'est, je pense, un lait pour le corps en spray, si je me trompe pas, de chez Palmer's. Donc ça, c'est cool. Du coup, c'est en sorte de spray. Hein. C'est top, ça. Je suis plutôt fan de la marque Palmer's, Palmer's, que je découvre depuis peu. Donc voilà, je suis super contente pour ce petit truc-là. C'est ouais, c'est cool. C'est ça qui est bien dans les swaps, c'est que des fois, voilà, il y a des choses qu'on n'est pas vraiment utiles, qu'on n'a peut-être pas besoin, et il y a des choses qu'on découvre et qu'on fait de très très belles découvertes. Le numéro 5, je ne sais pas dans l'ordre, comme je vous ai dit, je prends au hasard. Alors, un peu de décoration.
Alors ça a l'air d'être une boîte. Peut-être pour mettre les petits pots. D'ailleurs, ces papiers cadeaux sont juste merveilleux. Hein. Vous allez. J'espère que les miens lui plairont aussi, mais voilà. Ah. Un petit pot comme ça. Ah oui, c'est rigolo ça. C'est les petits trucs comme ça à bougie. Vous savez, vous mettez quatre petits photophores à l'intérieur. J'ai pas du tout ce style de choses, mais j'aime beaucoup la couleur un peu gris chiné. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Je vais lui trouver une petite place. Après, c'est vrai que je n'allume pas spécialement les bougies comme ça. Mais je vais lui trouver une petite place dans mon salon, je pense. C'est très mignon. C'est très joli, j'aime bien. Je sais pas où t'as trouvé ça, peut-être à Action ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça très joli. Donc ça, c'est top, un petit peu de déco, c'est cool. Le 3, c'est un petit truc comme ça, je le crois, si je me trompe pas. Voilà, numéro 3, et c'est trop mignon dans un petit packaging comme ça. Tu voulais tester un peu plus la marque, non? Point d'interrogation. Alors, peut-être. Je ne sais plus. Quelle est cette marque? Alors, c'est des rouges à lèvres. Ah non, pas spécialement, mais pourquoi pas. Ce sont les rouges à lèvres de chez ELF. Alors j'ai beaucoup de produits ELF puisque je suis en partenariat avec cette marque là. Mais là c'est les rouges à lèvres comme ça de cette gamme là. J'en avais un que j'ai déjà donné dans un vide placard. Donc je ne sais pas du tout si je vais les utiliser. Peut-être les retester, ça c'est une sorte de couleur un peu orangée. Nude orangé, là c'est une couleur rouge. Alors moi j'aime pas du tout le rouge, d'ailleurs ils sont quasi neufs hein. C'est un rouge, donc je suis pas fan du rouge. Donc je ne pense pas gérer. Je vais quand même les essayer je pense. Et le dernier qui est un marron un peu marron un peu rouge, un peu prune. Donc bah écoute, je les essaierai mais je te promets rien parce que je suis pas extrêmement fan de cette gamme là de chez ELF. Moi je suis plutôt la gamme studio et j'aime beaucoup leurs stylos un peu crayon à lèvres mat qui sont vraiment divins. Donc ceux-là je sais pas, je verrai bien ce que j'en ferai, mais c'est cool. Donc voilà. Ensuite le numéro 7, un petit truc comme ça, qu'est-ce qu'elle nous dit alors petite Marion? Un magnifique produit que je n'utilise jamais. Peut-être un blush, quelque chose comme ça. En tout cas, une marque un peu plus connue. Quel est ce produit? Ah, super. C'est un. Alors, j'en ai déjà un de cette marque-là. C'est un produit de chez Givenchy. Et je pense que là, c'est une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a peut-être le nom. Le prisme visage bucolique, une sorte de poudre pour le visage comme ça, avec plusieurs couleurs. Vous savez, le vert, le jaune, le rose. Un peu, voilà, illuminatrice. Alors ça j'ai hâte de tester, moi j'ai déjà une petite palette dans le même style de chez Givenchy. Et en dessous il y a un petit tiroir où il devait y avoir un pinceau mais qui n'y est plus. Donc bah ça écoute je vais tester avec plaisir. Est-ce qu'il veut bien faire le focus des fois ce petit truc? Donc ça s'appelle la numéro 1 Bucolic Blossom. Ça c'est cool, bah merci, cool, je vais tester avec grand plaisir. La numéro, le numéro 10, je crois que tu adores la teinte, les teintes choco. Ah ça ça doit être un rouge à lèvres chocolat, parce que oui j'adore les teintes chocolat. Si je pense, hein. Alors, c'est déjà dans le petit packaging. Oh, mais t'es dingue. Et oui, effectivement, j'adore les teintes chocolat. Et j'ai pas du tout testé cette gamme-là. Des Melted Chocolate. Donc c'est une miniature de Melted. Et c'est la teinte Chocolate Honey. Oh, ça c'est top. J'ai déjà un petit Melted, c'est le Peony. Du coup, j'aurai le Chocolate. Et j'ai jamais testé cela, à part j'en ai un très très foncé. Mais là, c'est trop bien. Alors, bien sûr j'adore Too Faced hein, comme beaucoup d'entre vous, mais là version couleur chocolat je suis hyper fan, donc merci Marion, c'est top. Ensuite on va prendre le 8, c'est maison et avec amour. Oh, c'est vrai que je crois que maintenant elle s'est mise un petit peu à la couture, donc ça doit peut-être quelque chose en rapport avec ça, peut-être des sortes de lingettes démaquillantes pour le visage ou choses comme ça faites maison. Oui, alors ça ça j'adore parce que j'utilise ça tout le temps. C'est trop bien. Donc là, il y en a quatre petites lingettes voilà, démaquillantes. Elles sont trop mignonnes avec la petite accroche. Et ça, c'est le petit plus parce que moi, j'en ai déjà de la marque Papillon Couture et de la marque Emma, les tendances d'Emma, je crois, qui commencent à se faire vieille quand même à force. Et ils n'ont pas cette petite touche-là, donc c'est sympa. Donc voilà, avec ce motif-là. Et vous savez, c'est une sorte de bah, voilà, de tissu un peu éponge que vous utilisez pour vous démaquiller, vous les lavez, vous pouvez les réutiliser, voilà, ça évite d'utiliser le coton. C'est super, donc ça oui, je sais que depuis très peu, et depuis peu elle s'est mise à la couture, et d'ailleurs c'est super bien fait, hein. Tu gères Marion, donc ça c'est vraiment un petit truc, une petite touche personnelle qui me touche beaucoup, donc merci.
Ouvrons ce gros paquet là, tiens. C'est censé être le dernier. Est-ce que je le garde pour la fin? Oh. Non, allez-y. Allons-y. Oh, si, on va le garder pour la fin. Faisons du suspense. Le 11. Un produit ludique et innovant. Alors, ludique et innovant, peut-être une sorte de spray hydratant ou une mousse et innovant. Ah, je ne savais pas qu'ils faisaient des mousses, la marque aussi. Donc, c'est un produit de la marque aussi, c'est une mousse. Alors, j'essaye de voir. C'est pour le volume. Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas fan des produits mousse volume parce que j'ai déjà trop de volume. Mais je vais tester parce que ça se trouve, ça n'avait pas du tout de volume. Mais du coup, ça va dompter mon cheveu. Et bien, light. Donc, après, je sais pas trop exactement, faut que je vois. Mais alors ça va bien me plaire, si ça fait un petit effet mouillé, etc. Ça peut être cool, j'ai jamais testé les... Alors j'ai testé pas mal de produits de la marque aussi, je suis pas hyper fan, mais pas leur mousse comme ça. Donc super cool. Ça c'est super cool. Déjà tu me fais découvrir pas mal de petites choses, hein. C'est plutôt pas mal. Mais je n'en doutais pas, en même temps en faisant un swap avec toi Marion. Le numéro 4, c'est un tout petit truc comme ça, malheureusement trop foncé pour moi. Peut-être quelque chose pour les sourcils. Ou, ah bah non oui, un... Comment ça s'appelle? Un anti-cerne, The Balm. Et d'ailleurs, je l'avais celui-là. Je sais plus si j'ai dû le donner dans un swap vide placard. Je sais pas si c'est celui-là, du coup. C'est la teinte médium. Alors, pour moi, ça va être peut-être un peu foncé pour l'instant, mais peut-être cet été. Donc, c'est le concealer de chez The Balm qui s'appelle l'anti-cerne, teinte médium. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Je l'avais déjà eu. Je sais plus ce que j'en ai fait, si je l'ai donné ou pas dans un swap ou parce qu'il y a des produits des fois comme ça que j'utilise pas et je suis pas extrêmement fan des anti-cernes où on met les doigts dedans. En fait, je préfère les anti-cernes en bâtonnet un peu style gloss. Mais je testerai, j'ai quelques produits The Balm à tester donc je vais le mettre avec. Le numéro 14, peut-être une petite bougie hein, vu le packaging, j'étais obligée de craquer pour toi aussi. Alors peut-être une bougie, mais alors j'espère que t'as pas acheté pour moi puisque c'est censé être du placard. Ah bah c'est trop marrant. C'est alors j'en ai reçu une dans le colis que la marque Action, le magasin Action m'a envoyé. Je sais pas si c'est exactement le même la même odeur, mais du coup c'est les fameuses bougies de chez Action que vous qui sont comment effet marbre un peu comme ça, qui sont très 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 jolies. D'ailleurs. Dans mon Action, je les ai pas du tout vues. Et là, c'est la Marvelous Marble Even. Donc, je sais pas si c'est la même que j'ai. Mais même si c'est la même, c'est pas grave. Parce que ça sert toujours. Et elles sont juste trop, 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 trop jolies. Je trouve. Je sais pas ce que vous allez en penser. Mais je les trouve trop belles. Donc, merci. Ça, c'est trop mignon. Et d'ailleurs, j'espère que je vais en trouver d'autres dans mon Action. Un jour. Ensuite, numéro 9. Deux étapes pour un teint parfait. Donc il y a deux produits, ça a l'air d'être des produits... Alors, je pense qu'il y a un produit que je connais déjà. Ah non, pas du tout en fait, je me suis trompée. Je pensais que ça c'était un produit de chez ELF parce que ça ressemble un peu au packaging. Donc ça c'est une base primer illuminating de chez Emit Makeup, Diamond Earth. Ça je connais pas du tout, donc je vais tester avec plaisir une sorte de base pour le teint. Et celui-ci c'est une bébé crème 6-en-1 de chez Nivea. Qui hydrate, touche veloutée. Alors je vais tester, mais je suis pas hyper fan des bébés crèmes. Ouh, elle a l'air foncée, mais pourquoi pas. Je suis pas hyper fan des bébés crèmes. D'ailleurs, faut que je le mette dans mon questionnaire. Mais je suis pas hyper fan des bébés crèmes, mais je vais la tester parce que pourquoi pas. Ça se trouve, ça peut être une vraie révélation. Et après, il n'y a pas la composition, sinon j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait. Mais c'est plutôt cool, donc un illuminateur et puis après une bébé crème. Je suis fan des bébés crèmes plutôt pour l'été. Donc peut-être qu'après, je vais la tester là et après j'utiliserai peut-être cet été, ça peut être cool si elle me plaît. La numéro 6, lui aussi a le droit d'être en beauté. Oh, l'énigme là, tu fais des énigmes, lui aussi a le droit d'être en beauté. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Ah, c'est pour l'iPhone, trop bien. Et moi je voulais lui mettre des choses pour son iPhone, mais il s'avère que j'ai pas du tout de choses pour son iPhone. En fait, je lui ai demandé sa référence, mais je pensais peut-être que j'aurais quelque chose, mais non. Trop, trop joli! Alors, si c'est pour l'iPhone 7, c'est juste trop, trop bien. Regardez, c'est des deux petites coques comme ça, trop mignonnes. Ah, ça, c'est cool! Donc, celle-ci, elle est trop, trop mignonne.
Je vais vérifier tout à l'heure si ça va pour mon iPhone, mais je pense que du coup, tu as dû faire attention. Et je crois que celle de l'iPhone 6, ça rentre sur l'iPhone 7. Bah, vérifier. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment très, 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 très jolie. Rose gold, là, comme ça, avec les petites fleurs et les petites strass. Merci. Alors ça, elles sont divines, divines. Donc d'ailleurs, il faudrait que je fasse un jour une commande sur AliExpress pour m'en acheter quelques-unes. Mais là, c'est top. Tu m'as refait, j'en avais qu'une d'ailleurs, hein, une transparente. Donc, tu pouvais pas te tromper. Les numéros 12. Alors, un produit, mes produits préférés de la marque. Ça a l'air un peu mou. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, c'est dans une petite trousse. C'est pour ça que c'était un peu mou. Une petite trousse comme ça, toute zébrée, toute mignonne d'ailleurs. Ça, c'est cool pour mettre dans le sac à main, quand c'est tout petit comme ça. Alors, mes préférés de la marque. Yo, tu me fais du suspense, hein? Ah, j'adore ces petites choses-là. Tu vas rigoler, mais j'adore, j'adore, j'adore ces petites choses-là. Donc là, c'est juste trop bien. En plus, les couleurs, elles ont l'air divines. Je suis fan des produits Clarins, mais alors là, ces deux petits trucs-là, c'est la seule chose de chez Clarins que j'ai dû tester et que j'ai adoré. Hop, c'est, vous savez, les espèces de éclat minute, embellisseurs de lèvres que vous mettez comme ça un peu. Ça, c'est hyper pratique à mettre dans le sac à main ou dans le manteau. Et vous mettez ça et ça donne un petit teint à vos lèvres. En même temps, ça les hydrate vachement bien. Je trouve ça trop trop bien. Donc là, m'a mis la couleur, mais je sais pas si vous plaît, le 01 et le 06 qui est une couleur un peu plus marronnée. Donc ça, je suis trop trop contente. Merci, merci, merci parce que je connais. Et puis d'ailleurs, le packaging, la petite boîte, la petite pochette, je vais y arriver. C'est une bonne idée. Du style, hop, on emmène partout avec nous, c'est sympa, c'est super cool. Trop bien. Le 13 qui me paraît être des livres, hein. Elle me met, ça te servira certainement plus qu'à moi. Donc peut-être des livres de cuisine, des choses comme ça. Je sais pas. Mais il y a l'air d'avoir plusieurs choses à l'intérieur. Ah non, pas du tout. C'est même pas des livres. Pourquoi j'ai des... Ce sont des trucs de scrap, peut-être trop mignonnes. Plein de petites choses de scrap qui viennent de chez Action. Je vais y arriver. Hop. Donc des petites choses comme ça qui viennent de chez Action, des petits cœurs. La mousse 3D, ça c'est cool. Alors je vais mettre ça là. Ça, je sais pas ce que c'est, tiens. Faut que je regarde. Des pastilles adhésives glues. Ah, je connaissais pas, tu vois. Donc ça va me servir aussi. C'est comme, ben voilà, c'est de la colle. Un peu comme ce que vous avez derrière les échantillons. C'est tombé de ma main. Oh, ça c'est trop. Je savais même pas qu'Action, ils avaient fait ça. Je les ai jamais vus à Action. Je reconnais le packaging d'Action, mais j'avais jamais vu. Des petites fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ceci. Alors oui, ça va me servir, ça c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Un bloc de papier de chez Action comme ceci. Même si je l'ai déjà, je sais pas trop si je l'ai. Hein, je vais regarder. Même si je l'ai déjà, ça c'est toujours utile pour faire des découpes, pour faire des cartes, des choses comme ça. Et elle a fait. Elle m'a pris, enfin, elle m'a donné, vous savez, des sortes de petites, comment ça s'appelle? Un peu des, enfin, dies 3D, hein, des découpes en fait, un peu en volume, comme ça, un peu fleuri. Donc celui-ci, je suis fan, hein, et je les trouve très très jolies, très girly. Celui-là, un peu fleuri, donc, bon, je suis moins fan, mais je m'en servirai quand même. Mais celui-là, je crois que je l'ai déjà, mais je l'utiliserai avec grand grand plaisir. Donc ça, c'est une super idée, t'as pensé à moi au niveau scrap, c'est cool. Donc merci, merci, merci. Et je me doutais qu'elle allait me mettre une tasse parce que la dernière fois elle m'avait mis une tasse. Et là j'ai hésité à lui en mettre une, mais je me suis dit ah, peut-être ça va pas lui servir et tout. Et là elle me met sur l'énigme numéro 15 une tasse de thé très chère. Donc c'est l'heure du tea. Donc je pense que c'est une tasse. Elle m'avait donné une transparente la dernière fois, qui était très jolie d'ailleurs, que j'utilise au quotidien. Oh là elle est trop mignonne aussi. Alors attendez, je pose parce que je vois qu'il y a le support aussi avec. Oh c'est trop mignon. Vous avez le support qui va avec pour poser votre tasse sur votre table et la tasse comme ça. C'est trop joli. Pourquoi tu gardes pas ça? Et puis alors là, la touche qui me fait extrêmement, extrêmement, extrêmement plaisir. Vous allez trouver ça nul. Je peux pas l'enlever parce qu'elle est accrochée, mais il y a la petite cuillère en céramique. Et moi, je suis hyper, hyper fan des cuillères en céramique comme ça. C'est... Alors, il y a écrit douceur sucrée, pâtisserie maison, muffin à la myrtille, donuts meringue, sucre glace vanille des îles, cookies au chocolat et tarte au citron. Donc, elle est trop, trop jolie. Je l'aime beaucoup, vraiment là, trop belle. Et dedans, elle m'a mis des thés d'Aman parce qu'elle est fan de thé tout comme moi. Et la dernière fois, elle m'a fait découvrir plein, plein de thés d'Aman. D'ailleurs, on a tout bu avec mon chéri, il n'y en avait plus du tout. Donc, la thé noir, tisane. Alors, moi, je suis fan des tisanes.
thé noir Darjeeling, thé noir Paul et Virginie, thé noir Earl Grey et thé noir Breakfast. Donc top hein, tu es au top, il n'y a rien à dire. Ça c'est la petite touche qui me fait très très plaisir, moi je suis hyper fan des tasses et tout, donc parfait, parfait, parfait ce swap, jusque là il n'y a rien à dire. Et pour finir, petit bonus qui est quand même assez gros hein, quand même pour un bonus. Et elle me met bonus à tester et à découvrir. Ah peut-être des, comment ça s'appelle, ah, une trousse avec des miniatures, je cherche, voilà, des miniatures ou des échantillons. Trop trop bien, elle est trop jolie la trousse d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup les trousses qu'elle m'envoie, à chaque fois ça me sert toujours. Donc rose et bleu comme ceci, je sais pas d'où elle vient, Kenick. Donc ça c'est top, et dedans elle m'a mis plein de petits échantillons, de petites choses à tester, des petits trucs comme ça, un peu des crèmes pour le corps avec des packaging assez sympas, comme ceci, c'est trop rigolo. Là elle m'a mis, oh c'est trop marrant ça, j'ai vu ça dans une vidéo d'une fille, et j'ai trouvé ça rigolo. Pour bien démarrer la journée, 30 mini messages anti-déprime, donc ça c'est trop rigolo je trouve. Une, alors des échantillons de parfum, une miniature du shampoing, après shampoing pardon, Dove comme ceci. Je crois que je l'ai déjà, mais ça c'est pas grave, ça sert toujours en vacances. Ah ça c'est cool, ça va être pour mon chéri. Une body lotion pour le corps de chez Hugo Boss. Ah un cheveu, un produit pour les cheveux de chez K pour Karité. Ah c'est une brosse, une brosse anti-frisottis, ça c'est trop rigolo. C'est marrant ça. Et plein de petites choses, un petit savon à l'aloe vera, un petit savon comme ceci. Enfin voilà, plein d'échantillons, plein d'échantillons, plein d'échantillons. Ah, et des cristaux pour le bain de chez Knip. Ça, j'ai jamais testé, j'ai testé déjà la marque Knip, mais jamais pour les cristaux pour le bain. Et puis après, des petits échantillons de parfum, vous savez, comme ceci. Moi, je suis hyper fan. Donc là, tu pouvais pas plus me gâter. Merci, 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 merci beaucoup. Marion, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre des pouces en l'air si vous voulez d'autres petites choses comme ça, petites vidéos dans ce style-là. Et vraiment... Bah écoute, il y a des produits, je suis pas sûre de m'en servir à 100%, comme les rouges à lèvres ELF ou les Color Shock de chez Kiko, parce que j'en ai déjà quelques-uns et je m'en sers pas beaucoup, j'avoue. On doit être toutes pareilles un peu, on les achète parce que les couleurs sont belles, mais on les utilise pas. Mais il y a des trucs, voilà, je suis sûre d'utiliser. Ça, je vais tester le produit aussi sans problème. Le produit Palmer, je vais tester. Les produits Scrap, bien sûr, ils vont aller dans ma Scrap Room et ils vont être utilisés. Là, ça va être utilisé. Honnêtement, voilà, je vais tester tout avec grand grand plaisir. C'était un swap quand même comme d'habitude. Enfin voilà, je savais que ça allait être un swap top. N'hésitez pas à aller découvrir donc le swap que j'ai envoyé à Hello Darling, à Marion. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air parce que vous savez qu'avec YouTube c'est compliqué d'avoir des petits pouces en l'air et d'être répertorié dans YouTube. Donc n'hésitez pas à en mettre. Et puis ben, on se retrouve très 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 prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite.